Bonsoir à tous, si tu veux bien baisser le son, mon cher Augustin, de ton ordi, parce qu'on entend, je pense. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce match final de la Cergy Pontoise Chess League, avec comme vainqueur le jeune maître Fidé Augustin Drouin du club de Nomad Échecs. Comment ça va, Augustin? Ah, très bien. Donc tu fais partie du deuxième meilleur club de France, derrière nos frères hein, de Bichevillers, évidemment. Donc, dans lequel je donne des cours de temps en temps, donc on se connaît un petit peu, moins bien que toi et JB, ça c'est certain, mais tu as décidé de me défier. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi? Ah, parce que déjà, tu es tout d'abord le second nom de Carlsen. D'accord. Et, voilà. Et ensuite, parce que t'as été un ancien 2700 et c'est très fort, quoi. Ah, oh, je te C'est remercie. intéressant. Oh là là, il me prend pour ressentir, il me flatte. Bravo, bravo, très bon. Très belle attaque psychologique, Augustin. Très, très bien vu, merci. Je te remercie. Bon, bah écoute, on va pas tarder, évidemment, on parlera hein, pendant le. J'avais une autre question à te poser. C'est quoi ton objectif dans ce match? Ah, c'est déjà de gagner une partie. D'accord. Et si je peux en gagner plusieurs, ce serait super. Ouais, effectivement. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Non, ça fait trop école des fans. Vas-y, si tu veux, tu peux Ça répondre à ma question. dépend. Tu sais pas. Peut-être que je deviendrai grand maître. Ça dépend de ce que je fais les résultats dans D'accord. les T'as quel prochaines âge années. d'ailleurs? T'as 16 ans? Non, j'ai 14. T'as 14? Oh, mais moi je te vois tout grand comme ça. T'as 14 ans? Ah, d'accord. Ah, bah oui. Maître Fidé, combien d'élo? Là, j'ai 2290. Ouais, mais là t'as pas pu jouer pendant. Ça fait combien de temps que t'as pas joué? J'ai joué pendant les vacances, mais sinon ça faisait un an. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Hein. Pour les jeunes, c'est terrible cette situation. Pour moi, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que pour vous, les jeunes, c'est quand même c'est embêtant. Alors, allons-y. Est-ce que tu me défies en unrated, hein, évidemment. J'ai dit à Augustin qu'on joue à unrated, puisqu'il faut que je continue mon road to. Donc, j'ai pas envie de perdre tous mes pots, Oui, quoi. donc c'est trop petit. Clairement. Enfin, je garde pour les road to. Hein. Voilà. Bonjour à tous, évidemment, dans le chat. Fou d'échecs, Sergei, Namvu et Spigatch. Pikachu, notre ami Corse, probablement. Est-ce que tu m'as défié? Oui. Donc c'est du 3 plus 2. Et j'ai accepté ton défi. Donc allons-y, bon match. Donc alors je rappelle le format. C'est du 3 minutes plus 2 secondes par coup. Et on joue les 10 parties. Quoi qu'il arrive. Tu as battu qui dans cette finale à 3 du. En fait, Ou. j'ai pas joué de finale, j'étais qualifié tout de suite. Ah, c'est vrai, tu devais jouer contre quelqu'un qui s'est désisté. C'est Contre Alex. Merencio. Ah ouais, Merenciano même. Merencio. Pour dire tout son nom quand même. C'est plus sympathique. Oui. Merenciano, oui, qui s'est désisté. Il n'a pas le temps. Il est Premier ministre, notre ami Merenciano, qui est corpo d'ailleurs, mais bon. Il n'a pas voulu jouer. Allez, allons-y. Allez, Laurent Krusty, qui est pour moi. Alors, E4. Ok, petite sicilienne pour commencer, pour prendre la température. On avait déjà joué pendant les banters. Hein. Ouais, trois parties. 3 parties? Allez, je fais ça. Alors, t'as le droit d'expliquer hein, ce que tu vois ou pas. Ou ce que Ah, tu mais vois pas, après, surtout. tu vois J'aime bien. aussi. Eh ouais, non, c'est l'inconvénient. Alors, fou C4. Ok. On va faire ça ou pas. On va faire ça. Je suis pas sûr que ça soit ça le coup. Pour tout te dire. Enfin, je vais pas trop t'en dire quand même. Hein. Surtout si tu me donnes. Si tu me lâches pas une info. Ah non, non, non. Tu vas pas me lâcher une info, hein. Non, je veux gagner. C'est infernal. Tu joues pour gagner en plus. Ok, je fais ça. Alors, je crois que je peux prendre en D4. Ouais. Je commence par des tactiques, ce qui n'est pas normalement mon fort. Je tente une tactique, mais je suis vraiment pas sûr. Hein. Ça peut rater. C'est une tentative de prise de température. J'ai joué tout à l'heure. Je devrais pas te le dire. J'ai joué tout à l'heure un petit peu. C'était un désastre. Ah, c'est mieux en confiance. Ah oui, tu vois. Comme je suis. On va faire ça. Ah, bien vu. Ah, Augustin est encore premier en février, il doit jouer Peyo.
Dubué qu'on avait eu contre Pierre ici même, qui est un bon client, PO, très bon joueur de Blitz, hein. Il n'y a pas de problème sur ça. Ok. Bon. T'échanges facilement les pièces, hein. Ah ouais, surtout les dames, hein. Si tu suis un peu, je sais pas, est-ce que tu suis souvent chez S24? Je regarde des fois les Dis soirées mousse. oui. Et alors, il y a JB qui m'a raconté un truc, en fait, c'est que tu tiltais très facilement quand il te parlait, qu'il te faisait des blitz à Nomade. Tu t'énervais très facilement. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est un tilteur. Donc les soirées mousse, tu regardes. Ok. Et je trouve impressionnant ton sang-froid quand tu perds alors que tu joues pour des 3100, par exemple. Non, Tu te moques de moi là? non, non. C'est vrai, genre, tu t'énerves pas, tu. Non, Tu te fous de moi là, c'est ça? D'entrée. non. Si, si. Si, si. Ben, non, ben, moi j'ai remarqué que juste t'étais dégoûté, mais sans plus, moi des fois, ça, j'arrête de jouer, quoi. Ah oui. Ah ben moi je peux pas arrêter hein, du coup. Je Ouais. suis là pour ça, hein. Pas devant la caméra. Ouais, c'est ça. Faut que je garde au minimum une tête, tu vois, plus ou moins cohérente. Bon, bah écoute, tu me fatigues là. Tu sais que Moi je veux pas faire nul. On est d'accord sur ça. non plus. Je... On va faire ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. On va reprendre du pion quand même. J'ai l'impression que je t'ai créé une faiblesse. J'espère t'avoir créé une faiblesse en C2. Mais ma foi, ça joue serré. Salut Splash 92. KD2. Il veut tout de suite replacer son cavalier. Qu'est-ce qu'il est malin. On va faire ça. On va protéger le pion E6. On sait jamais. Waouh. Alors ça. Ok, ça c'était assez mal joué ce que je venais de faire. Donc je vais faire ça. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, hein. Parce que t'en penses. Suis entièrement d'accord. D'accord. Tu te moques de ce que je dis, Non, c'est vrai. en fait. Pas tout prendre au second degré. Je sais pas, avec toi, quand même, j'ai tendance à prendre au second degré. Ah, c'est Tu es un normal. jeune taquin. Élevé avec Emmanuel, non? Oui, avant, oui. Docteur Pipo, oui, bon, voilà, hein. Grand rock, grand joueur, enfin bon, tu vois, ce genre de truc, quoi. Oui. Alors, KB3. Ok, on va faire ça quand même. On va essayer de s'installer. Ok, on va attaquer par là du coup. Ok, on va centraliser ça. Je commence à bien aimer ma position. Pour tout te dire. Te dire les choses franchement. Ah, j'ai pas d'un F5. Ah si? C'est pas mal d'un F5. Du problème. G3. Pour avoir d'un F5. Ah, mais si tu me dis tout, tu vas pas t'en sortir, hein. Moi je te le dis, hein. Alors. Bien écoute, j'ai envie de faire ça. Allez. On envoie l'éclaireur. Éclaireur. Ouais. C'est JB ça. Le pion clou, JB. Fais plutôt ça. T'es moins bavard que Pierre, hein, ce qui est un peu dommage. Notre ami Pierre Barbeau, si tu nous regardes. On t'embrasse, Content. évidemment. Ah, Pierre, c'est un régal, hein. On va tenter ça quand même. Tour F2. Tu sais quoi? Je vais être fidèle à ma réputation. Et proposer une petite finale des familles. Ok, moi aussi, je peux le faire. What monkey sees, monkey does.
C'était ça pour venir là. Protège ces deux. Hein. Protège C2. Ok, on va faire ça, tiens. Voilà. La CF5. Ouais. Dur à empêcher. Je pense que tu me l'accorderas. Ouais. Ok, C4. Ok. On va venir là. On espère que tout est protégé. Ah. Ce qui semble être le cas. Alors là, on va faire ça quand même. Des singes, je crois. Petit problème. Quoi, ce petit problème? Non, on va faire ça, tiens. Après B5. Ça arrive. La menace est plus forte que son exécution. C'est ce qu'ils disent dans le livre. Prends ton temps, hein. Ah non, mais c'est 3 minutes. Surtout. Prends ton temps. C'est bien joué, ça, hein. C'est très bien joué. Qu'est-ce que je te dis? Je vais faire ça, tiens. J'espérais que ça soit oublié, pour tout te dire. Là Eh ouais. là. Ah, mais t'as ça à la fin, d'accord. Ah, du coup, on va venir là. Non, on va faire ça. Ok. Ah, tu te bats, hein? Facile. Eh ben. Nul, je crois. Ouf. Ah, première nulle. Oh, ça commence fort. Enfin, c'est début de match. Heureusement qu'on n'a pas fait classer. Hein. On n'a pas fait classer. Tu veux faire classer ou quoi? Tu veux me chauffer? Ah Fais ouais, quand même. attention. Allez, Tu crois? rematch. Là là, quel enfer, c'est jeune! Infernal! Ah, t'as eu du bol quand même, hein, parce que t'avais pas tout vu, hein. Ça, tu Enfin. vois pas. J'ai rien vu. Bah, sur le truc de l'enfilade, là, je pense pas que t'aies vu. Non, j'ai pas vu. Alors, est-ce que tu connais ces anglaises? Joue l'anglaise de Carson. Hein. C'est ça, l'idole des jeunes. La relève arrive, et ouais. Et ouais, la relève arrive, hein. Terrible, ces jeunes. Ok. T'as l'air de savoir ce que tu fais. Est-ce que tu me bluffes? J'ai pensé Ça, que tu j'ai me jamais vu bluffais. ce coup. Merci Wims qui me dit allez Zlatan. Alex aussi qui dit allez Zlatan. Tu restes notre maître à penser. Zlatan, t'inquiète, dit Dark Knight. Bah oui, moi je suis là pour donner des conseils, je suis pas là pour les appliquer. Enfin, c'est connu. Comme quand je donne des cours à Nomad, tu sais très bien que ce que je te dis, je le fais pas dans mes parties. Je sais pas, je vérifie pas. Comment ça, tu verras plus tard? Alors. On change les dames? Bah oui. Ah ouais. Toujours partant.
Zlatan toujours partant pour échanger les dames. Ok. Jusque-là, c'était dans le plan. Est-ce qu'on peut faire ça, ça, ça? Oh là, faut calculer, c'est pénible. Hein. Ouais. Oh, j'aime pas ça. Hein. Ça, c'est un truc Alors. de jeune de calculer. D'accord, ok, on va faire ça, tiens. On va faire ça. Il se fout de moi en plus, hein. Ah, c'est jeune. Fouf. Pff, entendre les combines, mais là, je sens que j'ai oublié un truc en route. Ça serait tellement moi, ça, d'oublier un truc en route. J'ai pas compris ce que tu menaces si je bouge le fou. Et je menace, je menace, je menace, je menace, pas grand-chose. La qualité là. J'avais pas vu. Je te dis, hein, moi je calcule pas. Il aura pas calculé, tu calcules pour deux. Ah Donc oui, ça bien va. sûr. On s'en sort, du coup. Match. Alors, tour E8, ok. Gagné la qualité, mais non. Tour E8, tour E8, tour E8. Ok, on va faire ça. Un petit coup de stabilisation là. J'ai besoin de stabiliser tout ça. KFK, c'est ça? Ah, il devine tous mes coups! Injouable! Injouable, le gosse! Complètement injouable. Attends, si tu trouves tous mes coups, ça va devenir stressant cette histoire. On va faire ça. J'ai un peu de plus, non? Un bon pion. Mais les tours pas très natives. Hein. C'est Docteur Pipo qui t'a appris qu'il fallait avoir des tours actives? Non, c'est Dvoresti. Oh là là, boum! Dvoretsky. Là, ça rigole plus, là. C'est les vraies références, là. Ok, on va faire ça. On va essayer de se l'activer, cette tour, puisque c'est toi qui me le dis. Il faut activer les tours, apparemment. Important. Bah, moi, je les échange, les tours. Ok. On ramène le Oh. roi. Ça, c'est encore bien joué, hein. Dès qu'il y a un truc à prendre, je prends. J'échange. Exactement. Bon, allez, j'en ai marre. F6, waouh. Il faut bien que je bouge mes pions. Sinon, mon roi va rester là-bas. Hein. D'accord, pour la vie. C'est ça, pour la vie. Alors, c'est quoi l'origine de ton pseudo? Je sais pas, mon nom, enfin, je sais pas, c'est comme ça, c'était drôle. Ouais, j'ai pas de raison particulière, c'est. D'accord. Mais c'est un peu joyeux, c'est un peu drôle, donc. Bon, après, mes autres pseudos, c'est pas mieux. Allez, on va faire ça. Ça pue un peu pour moi. Ok, mais ça c'est bien joué. Ouais. C'est le coup qui m'a embêté, ça. Ok. Donc on va faire ça. Oh, qu'il est pénible!
va faire ça quand même. On va tenter une infiltration. Non. Et non, dit-il. Eh bien, je vous le dis, c'est l'enfer, ces jeunes. Finalement, comment bien? Oh oui. Ok. Alors ça, bon, tu connais la stratégie de la maison, hein? Ah ouais, ça sent mal. Mais pas sûr. On va faire ça. Ok. Ok, c'est faire. C'était crétin ce que je viens de faire. On est d'accord. On va faire ça. Je suis d'accord. Mince, c'est trop bête ça. Ah mince, ah, j'ai plus rien. C'est fini. C'était pas fini, fini, non? Je sais J'avais pas. foué 3, mais je sais pas, c'est Ouais, elle est pas dure. assez vite. Mais je suis pas sûr qu'elle soit. Pas sûr à 100% que ça soit complètement perdant. Bref, vas-y, tu peux me défier. Non, je Non, peux c'est pas, je archi peux plus. raide, dit Heisenberg. Je peux plus Bonsoir, faire la Heisenberg revanche, de là. Limoges. Quoi? Je peux plus faire la revanche. Parce que t'as fermé l'échiquier. Voilà. Donc faut que tu me redéfies. Je suis désolé. Ok. Pas en glacé, toujours. Purée, j'ai jamais vu Laurent aussi concentré. Ouais, attends, un petit jeune là, il faut dès le début, hein. C'est ça en fait, hein. C'est dès le début, tête sous l'eau, et après c'est bon, ça va tout seul. C'est le début qui est dur. Croisant mon expérience. Puis il parle pas en plus, alors si je commence à parler, à raconter ma vie, alors qu'il parle pas, tu m'as challengé? Ouais. Allez, vas-y. E4-5 maintenant, fini de jouer. Ah. Fini de jouer. Oh! Non. Oh! A3. Cool beat. Ouais, super. Je suis ravi pour toi. Alors, comment ça se joue ce truc? On va faire ça, peut-être. On va tenter ça maintenant. À 3 fous des 6. Je sais plus qui me l'avait dit. Fou des Ah 6. oui, ouais. Ben c'est moi alors. Certainement Heisenberg, non? Ok, B3, ok. Ouf. Je peux faire ça évidemment. Mais c'est risqué. Ok, on va faire ça. Ouais. Comme dit l'auteur Pipo, clouage et pâturage. Clouage et quoi? Et pâturage. Ça serait bien, tu fais toutes les vannes de Dr Pipo ce soir. Ah, faut demander à Marco. Ah mais c'est vrai que Marco. Là, on rappelle, hein, Marco Materia. Ce jeune homme plein de talent qui a fait une norme de MI au Cap d'Agde à seulement 10 ans. Et oui, vous avez pas mal entendu, c'est 10 ans. Mais voilà, Augustin, Marco, qui font partie vraiment de ces jeunes espoirs, hein, de Nomade. Hein. Nomade qui est en train de s'imposer comme un des meilleurs clubs français. Et je ne dis pas ça parce que je suis corrompu par Nomade, bien entendu. C'est la vérité, rien que la vérité. Fou C4. Est-ce que tu peux nous expliquer Fou C4? Ça, j'ai pas pigé Fou C4. Bah juste, je voulais attaquer F7, mais bon, ouais, c'est un D'accord. peu. Ok. Ah, d'accord, c'est compliqué. Dame D5. Ah, les dames se rapprochent, ça j'aime. Je commence à voir des scénarios où les dames s'échangent. Vais faire Dame F6. Ah là là. Ah, c'est terrible. Ah, si je peux prendre un deuxième pion en plus, je vais pas me gêner.
Ou pas. Je t'avouerai que je préfère échanger les dames au deuxième pion. De très loin. A3, G6, K prend un 5, ouais, c'est ça. Augustin a un problème de siège, il bouge de haut en bas. Non, en fait, il a un problème de. En fait, il bouge, quoi, simplement. Oh, Ouais, c'est Docteur ma Pipo qui est chaîne. là! Tu sais que c'est une soirée dédicace à toi, mon cher Docteur Pipo. Ah Alors, ça, vraiment. Waouh. Tu me fais vraiment ça, là. C'est ce que t'as joué, hein? pourquoi il y a des tatis, tu vois? Bah, ça, par exemple, t'as vu ou pas? À tout reprend. J'aurais pu faire la franc. Bon, on va faire ça, tiens. Ouais, dame 5. Non. Ah. Dame 5, trop simple. Tour 1 propose un échange de tours assez malhonnête pour le coup. Dame 5, peut-être au prochain coup. J'aurais pu prendre B2, tu me diras. Ah, c'est compliqué. Ouais, non, effectivement. Je la sens pas. Ah ouais. Je te comprends. Alors. C'est vrai que c'était pas super safe ce que j'ai fait en fait. Je fais le malin, je fais le malin. Ok, on va faire ça quand même. Ah, quoique, je peux peut-être faire ça. Ok, on va faire ça. Et on va faire ça. Je t'avais dit que j'allais prendre ce pion, tu me crois pas? Ah Je ne mens jamais, moi, monsieur. alors Je menace mat, en plus. Ah, ils sont terribles, les adversaires. Les élèves de Dr. Pipo. Qu'est-ce qu'ils sont forts? C'est complètement injouable, hein. C'est bien joué ça encore. Hein. bah, je défends, hein. Je défends et j'attaque. Tu te défends comme un diable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu es un diable. Presque autant que Pierre. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Contre-jeu. Pardon? C'est le contre-jeu, là. Bah oui. On va faire ça quand même. Peut-être que Dame B2 c'était un peu trop, un coup en trop, je Ouais. pense. Ah, tu vas me donner conseil maintenant. Non. Enfin, si, Ah. quand même, un peu. Faut dire quand même ce qu'on pense de la partie. Vas-y, n'hésite pas surtout. Si je te coupe le son, c'est normal, hein, à un moment quand même. Faut pas exagérer non plus. Mais comment il fait JB pour te faire péter un plomb comme ça? Il m'a dit. Ah bah il est là, JB, justement. Il m'a dit, hein, tu craques tout de suite, hein. Pour une fois que je répète un truc que JB m'a vraiment dit, normalement j'invente toujours. Cavalier F2. Ok, cavalier F2. Bah, écoute, c'est encore bien joué ce truc-là. Ouais. Faut que je joue plus vite là par contre. On va faire ça. Ah, tu fais tour 7. Je suis obligé de trouver des trésors Magnifique. d'ingéniosité pour m'en sortir. C'est l'enfer. Je vous le dis, moi. Il attaque avec deux pièces, je m'en sors pas. Attends, je t'avais dit, hein, Docteur Pipo, j'espère qu'il t'a dit il faut attaquer avec plus que deux pièces, normalement, pour que ça marche. Enfin, il m'a dit. Ouais, en même temps, si t'écoutes tout ce qu'il dit, c'est quand même risqué aussi. Hein. Faut faire attention, quoi. Ok, on va faire ça. Et là. Je suis pas sûr du coup, la petite. Fourchette, fourchette, j'arrive. Ouais, en fait, ça c'est plus simple. Ah non, c'était pas le plus simple. Bon. Non, je menace rien. Je sais pas qu'il y a 6.
Oula. Alors, je sais pas si c'est terrible ce que j'ai fait, hein. Je crois que tu peux juste simplement prendre. Ouais, tu m'as bluffé. Tu m'as bluffé. Oh! Oh boy! Oh là 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 là, quel enfer! Ouais, j'abandonne. Attends, attends, mais tu t'avais tour F3, non? En fait, j'ai eu peur de tour F3 là. Non, si tu prenais la tour, j'avais dame E6, t'avais pas d'échec, mais je crois que tu pouvais faire cavalier E7. Ah, mais j'ai cru que t'avais dame G8. Parce qu'en fait, au lieu de cavalier prend F6, à tour F3, je pense qu'il gagne. Que j'ai vu trop tard. Ah non, mais ça gagne pas du tout, qu'est-ce que je raconte? En fait, ça a encore pas marché là. Je sais pas si Marie, en fait, à chaque fois que je veux faire le revanche, c'est indisponible. C'est parce que je dois fermer la fenêtre, ou je sais pas, ou un des deux. Normalement, ça marche. Désolé. Et c'est parce que c'est moi qui ferme la fenêtre, vas-y, refais-le. Moi, j'ai. Ah, je sais pas, je vois rien, c'est un enfer. J'aime cesser un défi là. Alors, je vais T'envoie râler, un hein, maintenant, défi. ça suffit. Encore les noirs? Vas-y, aborte. Je prends les blancs. Ah, mais je peux pas là faire la revanche. Ben, redéfie-moi. Sais pas comment on fait pour dire que tu as automatiquement les. Ça y est, y a un truc, mais vas-y, refais avec un peu de chance. Quel enfer! J'ai mis que j'avais les noirs. Vas-y. Normalement, ça marche. Ouais. Ok, super. Bon, D4. Fini de jouer. Voilà. Slave? Oui, on a fait un cours dessus. Un cours dessus avec qui? Et toi, Nomad? Non. Mince, je me Ah non, souviens. c'était sur E prend D5. Les Carlsbad. Oui. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ah, je sais plus quoi. Si toi aussi tu te fais arnaquer par Augustin, on ne sait plus quoi en faire. T'inquiète, t'inquiète, docteur Pipo. Ça va pas durer toute la nuit, hein. Wow, tour à 7. Ok. Et là, on va venir là. Faut que je me chope. Mais j'ai tellement mal joué cet après-midi que j'avais peur de ce match. Je me suis dit. Ça dérange pas si je me plains. Ah non, non, J'aime bien me plaindre. non. Te fait rire. Non, mais si ça me fait bien. Ok, bon, on va faire ça, hein. C'est pas très réjouissant tout ça, mais bon. Et JB, il avait dit quoi d'autre en fait sur moi? Je crois pas qu'il Écoute, ait dit seulement que je je me permets. te répète pas parce que c'était tellement pas sympa que j'ai un peu honte de pas de le répéter. Mais je dis pas ça pour t'énerver, hein. Ah non, non, mais je sens que JB. De toute façon, JB quoi, vas-y. Non, rien. Attention, hein. JB, il aime bien dire des trucs comme ça. Tu peux avoir des problèmes, hein. Faire ça. J'ai plus de Bon, mais tour. voilà, t'as une superbe tour en A7. Écoute, Ah. qui sortira bientôt, hein. Jamais. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Tour C8. Ah oui, tour C8, c'était quasi pre-move, hein. J'ai pre-move tour C8. Apparemment non. Hein. Ah, t'es joueur, Mais non, mais de toute façon, j'ai pas le choix. hein? Ah, toujours le choix. Bon, bah celle-là, si je la gagne pas, hein, je vais pas être content du tout.
Mais je t'avouerai que je me vois pas en train de pas la gagner, en fait. Pour être très très honnête avec toi. Je ne me vois pas l'arnaquer. Alors là, j'avais pensé que j'avais ça. Ah, ils sont durs les jeunes, c'est un enfer. Je vous le dis, moi. Je ne me laisse pas abattre. Ne le crois pas, Augustin, il dit, tu parles. Bon. Le jeu est Petite fermé. finale. Petite finale, ouais. Petite finale, plutôt sympa quand même pour moi. Je crois. Ce que t'en penses. Je pense que je vais bientôt abandonner. On n'est jamais trop prudent, comme on dit. Enfin, comme je dis, surtout. Ok. Donc là, tu tentes une énorme blocade. Ah, j'ai 4, tiens. Ah, je crois que c'est la fin. Je suis plus cool là. Ouais, c'est pas terrible, effectivement. Et on va s'infiltrer. Terminé. Bon. Voilà. Enfin. Voilà, c'est comme ça, il faut que tu joues comme ça. Ne change rien. Surtout. Allez. Alors, D4. Oula. Vraiment, tu fais D4 aussi. Je pensais que tu étais vraiment un pur joueur de E4. Ah, des fois. Allez, petite estindienne. À l'ancienne. Avec cavalier A6 toujours. G4. Comment il joue? Agressif. Ok. Ah, j'ai pas ED parce que t'as pu en prendre un prank et des 5. J'ai pris mouf, fou prendre des jets. Merci. T'avais pris mouf pour prendre les 4? Ouais. Non. Non, tu veux juste me faire râler là, en fait. Si tu veux juste me faire râler, c'est assez bien vu, hein. Bravo. Parce que ça me fait râler. Ça m'énerve vraiment, quoi, si tu veux. Bon, dis-nous, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Peut-être joueur Devenir pro? grand maître, déjà. Devenir grand maître. C'est ça Et ton... D'accord. ouais, c'est vraiment mon premier objectif. Et ensuite, après, ça dépend de ce qui se passera. Peut-être que je viserai à 2600 ou 700. Ouais. Ah ouais, t'es... Je sais pas si. Je sais pas, peut-être que je deviens l'entraîneur. Il y a plus de chances que je devienne entraîneur. Avec, comme ton modèle, quoi. Docteur Pipo. Ouais. Bah, c'est C'est tellement top. un grand entraîneur que ça Ouais, donne non, vraiment c'est envie de vrai. venir. Non, mais en plus, je blague même pas. Je considère Docteur Pipo comme un très grand. Il a écrit plein de bouquins super bien. Ouais. C'est ça. Je pense que moi aussi j'écrirai un bouquin. Ok. Bah super. C'est une belle carrière. C'est prometteur tout ça. C'est dommage que tu vas... En fait, tu vas pas pouvoir jouer ces 5 prochaines années à cause du Covid. Bon, c'est dommage parce que ça partait bien, tu vois. Mais là, bon, c'est quand même... Ça C'est... fait un an que j'ai pas. Ça faisait un an que j'avais pas joué. Maître Fit depuis un an, quoi, sans avoir joué. C'était un peu dommage, quoi. Bon, c'est les Astindiennes typiques où j'ai vraiment une poubelle là, en fait. Et je le sais hein, que j'ai une poubelle. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Malterion à 6. Ouais, moi j'aurais gardé mon. Enfin, je sais pas. Terrain C3? Ouais, Ouais, j'aurais peut-être. pas changé. Ouais,
Tiens, le cavalier, si je suis tes conseils, écoute, tu veux écrire des bouquins, moi je t'écoute. Cavalier F2. Ah, j'ai pas de plan là. Ok, H3 qui est F2, je vais t'avouer que je l'ai pas vu venir, hein, le truc. Ah. Je peux pas faire le grand rôle. Grand rogue, grand joueur. Attention. Enfin, le grand joueur. C'est pas le Et grand dans rôle cette qui. position, on peut même dire grand roque, très grand joueur. Ouais. Alors. Alors, tu peux me sacrifier la tour. Non, je trouve ça. Si, c'est intéressant. Ah, d'accord, je comprends, on se fait affaire après. Je voulais pas faire F4. Ah, Mais maintenant que mince. tu me le dis. Oh. Hey, c'est ça le problème quand on parle. Non, mais toujours pas. Les mauvais coups que tu me donnes exprès, ça m'intéresse pas. Je les prends Bah pas. quoi, après t'as cahier des 4, c'est pas un mauvais coup. Mais j'ai cahier des 4 de toute façon. Oui, Mon fou. mais là, je peux pas l'enlever. Ouais, mais là, c'est pas grave. T'as vu mon fou de case noire? Est-ce que t'as déjà vu un fou de case noire comme ça? Fou en G7, le fou de. T'as jamais joué d'Astindienne? Non. Ah, t'es trop jeune. Suis trop jeune. T'es trop jeune, moi je te le dis, les Astaniennes comme ça, tous les jours. Et vas-y, j'ai toutes mes pièces au centre. Je calcule pas, tu calcules pour deux. Roi des deux. Suis. Oh, tu fais bien. Ok, je peux prendre ou pas. Tu sais quoi? Ouais, roi des deux, bien joué. Bien joué, bien joué. Moi, je crois que tu ferais essayer de trouver des choses pour fou des 7. On va faire ça, on va essayer d'ouvrir. Oula. Oula quoi? J'avais pas vu. Normal. C'est fait exprès. Hop. Hop. Ah non, si tu commences à me faire comme Pierre. Ça va m'agacer. Donc s'il te Non, il plaît, disait hop aussi. il dit hop tout le temps. Ah. Très très énervant. Bon. Après, c'est pas si grave, vu comment ça se passe. On va faire ça. Vraiment. Ok, Bah. je te crois. Je pense pas que je devrais, mais je te crois quand même. Eh bien. Beaucoup de temps. Mais prends ton temps, parce qu'il faut jouer des bons coups. C'est le moment critique. Il te l'a dit, docteur Pipo. Il faut que tu te Il concentres sur les moments critiques. T'as pas dit? Non, je crois pas qu'il l'ait dit. Bah M'a dit, alors? tous les coups sont importants. Tous les coups sont importants. Wow. Ça, c'est beau. Ça, c'est pas la moitié d'un conseil. Mince. C'est nul. Ouais, effectivement, c'est pas le coup de l'année ce que tu viens de me faire. Vraiment. Il n'y a même pas de tour là, je crois. Ouais, j'ai mal compté. Mais est-ce que je gagne pas un pion quand même la partie? Pas sûr. On va faire ça plutôt. Quel pion? Ah oui. Mince. Non. Ah non! Ah non, hein! Arrête avec ton hop, hein. Merci, hein.
C'est l'enfer. Je m'en sors pas du tout là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Wow. Eh bien. Non! Mais c'est une blague, quoi! Non, mais bon. Ah, Infernal. Infernal, bon, j'abandonne. Bon, mais deux et demi partout, mais quel match! Quel match! Heureusement, j'ai pas mis mes meilleurs jeux, mes points à l'eau. Quel enfer! Quel enfer! Oh, là, je gaffe de partout. De la perte, celle-là, cette finale de football reposée, il fallait le faire quand même. Bon. moi j'aurais changé les tours quand même. Bah, je pense parce que. Mais je veux me garder. Je suis pas sûr, je pense pas que ce soit gagnant quand j'ai changé, si j'ai changé de tour. Ouais, mais si tu changes pas les tours, je sais pas, c'est j'ai quand même du contre-jeu. Ouais, mais enfin bon. Bon, on va arrêter de commenter. On va arrêter de commenter les parties après coup, surtout quand j'ai perdu. Non, D'accord. mais ok, j'essaie de garder les chances de gain. Normalement, j'ai zéro chance de perdre. C'est juste, je fais une gaffe abominable. Je fais tour 3 échecs, par exemple, un coup avant la fin, c'est nul. Oui. Ouais, mais c'est vrai que t'as bien saisi ta chance. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, est-ce que tu connais ces trucs-là? Oh, ouais, super. Allez, hop. Oula. Oula, ouais, non, abandon. Je connais pas ça. C'est normal. J'abandonne le débat théorique. Trop de lignes dans ce Botvinnik. Ok. Ah, je donne tout, c'est infernal ce truc. Ma foi. Prépare au petit échange. Ah, dame B6 là. Patch. Ok. Bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, ça perd. Aïe, aïe. Je crois que t'avais à 4 pendant un moment. Ah, je suis capable de pas le voir. Hein. Tu devrais pas me le dire comme ça. On va quand même prendre ça. J'allais dire oula, Clouage et pâturage. Docteur Pipo a osé. Bonsoir à hop. Frost. Ah, t'en fais trop là, non? Ah oui, oh là là, les tactiques. C'est ça, je crois. Je pense que tu pouvais prendre C7 et prendre C6. C'est vrai, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas tourbé 3. C'était plus simple, mais bon. De peu, t'as pas tour B3. Hein. Je plaisante. Tactique fraise, ouais. Déviation et croûton. Honneur et agriculture. Ah ouais, bravo. Dame F6, ok. Ok, du coup, on va prendre ici.
Il a osé, docteur Pipo, eh oui. Il ose tout. Notre ami docteur Pipo. Qu'on retrouvera. Cette fameuse vidéo-série qu'on attend là de. Il écrit un livre pour nos amis, nos frères de New Inches. Et donc, on fera une petite avant-première. Sur Chess24FR. Salut Spring Troll. Oui, Voilà. toujours. Ah, faut s'arrêter, hein. Alto sketch, hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ok. On va faire ça quand même pour voir. Choisis ta Diago. Revenir là. Trop bien, je pense. T'arrêtes de me donner les coups là? Et je donne des propositions. D'accord. Ok, bon. Je te propose d'abandonner hein, Allez. celle-là. Bon, allez. Ça suffit. Ça suffit. Avec les noirs, je me prends à chaque fois une bulle. L'enfer. Allez, on On va va continuer. resserrer tout ça. Allez. Ouais. Mais non, je veux pas entrer dans la dernière. Moi non plus. Oula. Tu connais pas ça, hein? Non. Je t'expliquerai. Je vous ferai un cours de 36 heures à Nomade sur les petites subtilités d'ordre de coup. Tu vas voir. S'il y a... Oh, remarque, Marco menace d'être toujours réveillé à la femme et ça sera bien le seul. On serait tous en train de dormir. Oh Et Marco sera en train de proposer des coups. non, ouais, Marco aura 10 000 points. Marco aura 10 000 points, voilà, c'est ça. Ah non, tu fais pas la question à 300 000, hein. Ils peuvent tous me rattraper. Eh bien, moi Ah, aussi, je je rush. suis tombé dans le piège, c'est effroyable. Effroyable. Oh, vraiment comme ça? Waouh. Non, mais c'est beau. Bah, c'est la peur de fou. Bon, après, c'est pas, ça veut pas dire que tu. Non, mais rien n'est joué, hein. C'est encore un truc de Docteur Pipo, ça, rien n'est joué. Je crois, ouais. Rien n'est joué, hein. Je vois bien en train de dire ça. Rien n'est joué, hein. Tu restes concentré pendant 6 heures. Tu mets tes boules caisse et puis voilà, hein, tu fonces, hein. Oui, c'est vrai que Manu, il joue à des bonnes caisses. Ouais, je sais qu'il joue avec des boules caisse, hein. Alors, puis on prend, puis on prend. Tu joues avec eux en national, c'est ça, hein? Avec les vieux? Le club du troisième âge? Avec JB et Docteur Pipo? Avec les En petits fait, c'est jeunes un peu devant? les seuls adultes du match, tu vois. Ouais, c'est plus que des adultes, hein, là. C'est des vétérans. Non? Prononcer Bon, tu peux. Tu peux. On est entre nous, ils écoutent pas. bien sûr qu'ils écoutent ils vont chambrer ouais. Bah non, ils vont pas te chambrer là, t'as vu le score déjà, même si tu perds le reste, ils vont pas te chambrer. Hein. Et en plus, il est pas fini ce match, crois-moi. Je peux faire des gaffes. Encore toute la nuit là. Toute la night, comme disent les jeunes. Mais bon, je vais te parler là. Je vais te parler un peu plus quand même. Il faut s'arrêter, hein. Ah, ta maman t'a dit il faut aller te coucher? Non. Va te coucher, c'est vrai ça. T'es en quelle classe? Sur troisième. Ah, t'as un an d'avance en plus? Ou Bah non, t'es né non, en fin c'est... d'année. Ah ouais, d'accord. Je suis né en fin d'année. T'es en troisième.
Ok. Ouh là là, si tu fais G4, Docteur Pipo. Oh là là, ça c'est un coup de martinet, hein. JB, il m'a dit, un hein, coup de martinet à Nomade, quand on fait ce genre de choses. Bon. Ah, c'est un peu, c'est le truc à l'ancienne, hein. Je plaisante, bien. À chaque fois, je suis toujours un peu inquiet. Parce que je me dis qu'il peut y avoir des gens qui le prennent au premier degré. Donc, évidemment, on plaisante. Hein. Alors. Enfin, je plaisante. Enfin, c'est pas que je plaisante, c'est que je raconte n'importe quoi de A à Z. Alors, comment je fais pour ouvrir tout ça là? Allez, fonce! Par exemple, Fonce! là, Manu aurait dit fonce Alphonse. Fonce, Alphonse! Ah, ben ça, c'est comme Loïc, Loïc Travadon, notre ami, qui dit fonce, Alphonse. Hop. Ah, toi aussi. Pousse, Momousse. Pousse Moumousse. Ok. Vas-y, bien joué ça. Alors ça commence, je vais réfléchir trois plombes pour faire un coup crétin. Et c'est là où ça me rend tellement sympathique aux yeux de mes adversaires. Ouais. Ouf. Alors, on l'a pas vu. Waouh. Ça, c'est pas la moitié d'un coup. Hein. Il y a beaucoup de trucs en l'air là. J'ai envie de te dire pour tout le monde. Oui. Ok, tu sais quoi, on va encaisser ici. Alors là, je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Alors zéro. Alors. Je n'en sais rien. Hop. Ah non! Ça y est, les hops reviennent. Oh là là, c'est injouable. Je te dis, elle est injouable cette partie. Mince, Comment les mince. maths. Je peux me défendre quand même. Tu veux jouer la petite finale? Tac. Pour... mais deux pions passés, compliqué, hein. Ouais, compliqué, mais est-ce que j'ai le choix? C'est ça la question quand même. Ok. Ah mince. Voilà. Oh, ce ah mince, c'est venu du fond du cœur. Il a fait plaisir. Je te raconte pas. C'est ce que je voulais faire, je voulais bloquer. C'était pas si clair, fou F5 tour prend B3, mais bon, ok. Ok, je suis moins bien, c'est sûr. Alors, quelle combine de balayeur je vais me prendre? Bah écoutez, j'en sais rien. Mais en attendant, Sûrement. je prends celui-là quand même. Si je peux. Chut. Tu m'annonces les échecs? Attention quand même. C'est comment je fais ça dans ma tête, je réfléchis sans échec. Le problème, c'est que ça ne sert à rien. On va faire ça. Quelle fourchette? Dans quelle fourchette vais-je tomber? C'est ça la grande question. J'ai plus que 12 secondes en plus. Non mais je sens pas du tout le temps. Je sais pas du tout là. Ces exploits à 3250 qui m'ont complètement... je sais pas. Mince, j'ai L'échec. pris le coup. Aïe, aïe, aïe.
C'est terminé. Tout est protégé. Bon, je prends le large. Enfin, le large. Dur à dire. J'ai l'usure. Pouf. J'ai gagné celle-là. Quoi? Tu l'as gagné celle-là. Tu veux la gagner? Je crois que t'as mangé mon ton pain blanc. Mon cher ami. Oh non, mais pas c'est dans C'est l'heure du pain noir là. Je le sens. Tu y es. Ouf. Ouf. En fait, on joue des cas, tu sais pas quoi faire. C'est ça? Si, si, mais j'ai plein de rentes, mais mince, j'ai pas d'idée. Mais Jersey, dans sa vidéo série sur la Stonewall, il parle pas de ce problème. Non, mais il dit que les ordres de coups sont différents. Ouais, non. Effectivement. Ah, te plains pas de... S'il te plaît, hein. Commence pas à mettre ça sur le dos du triple. Merci. Alors, on va faire ça. Est-ce que t'as le temps? Pion prend, pion prend. Cavalier 2. Allez, on tente. On va tenter de te le prendre sur place. Trop de pions faibles. Ok. Donc je dois dire à nos viewers quand même que tu as préféré ne pas me voir. Je t'ai laissé le choix. Et tu as dit je connais ta tête. J'ai pas envie de te voir. Quasi, hein, t'as dit ça. Hein. Non, j'ai pas du tout dit ça. Si, 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 si. Quand même, t'as un peu dit Non. ça. Bon, mais j'ai un pion de plus là. Moi, j'ai dit que j'en avais souvent. Oh, en plus, tu me proposes la finale. Tu sais quoi? J'ai pas le choix. C'est accepté. C'est vrai. C'est vrai, non mais je te dis, je suis. Alors on va faire ça pour voir. Ha. On va faire, on va mettre une petite tour par là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Sans mal. Ouais, c'est ça, exactement. Pas très agréable pour les. Carlsen dit quand même que les bonnes hollandaises commencent pas par 1F5. Effectivement, c'est exactement ce qu'il dit. T'as tout à fait raison. Ah Mais qu'il y a oui. plein de façons de jouer le Stonewall et tout ça. Tu veux jouer un Stonewall? Ouais, je vais m'en souvenir. Waouh. Alors ça. Mais Ça. si Carson le joue, c'est bon. Non, mais moi j'aime bien le Stonewall. Hein. Tu prêches un convaincu. Mais je vous ferai un cours, tiens, sur le Stonewall. Voilà, prochain cours, ça sera sur le Stonewall. Et comment on peut l'avoir? Les différentes de trucs hollandaises. Parce que D4, F5, les petites soulignes, c'est pas si clair quand même. Alors. On va quand même essayer d'attraper celui-là. Ouais. C'était idiot. Je suis d'accord. Accordé. Et je vais hop. Vraiment. Intéressant tout ça. Bon, tour à deux serait vraiment trop passif. Hein, donc on va faire ça. C'est 4 à tour à deux ouais, maintenant. Ok. Donc, je peux faire ça. Vraiment? C'est quoi hein? Ah ouais, Quand je sais pas, je mange, moi. Hein. j'avais pas vu. Ah, t'es large avec les pions. Hein. Un pion, deux pions.
Trois pions. Bon. En 3 pions, quand même. Non, que deux. Que deux, oui. Tranquille. Mais ça va être dur quand même. Je suis un peu inquiet pour toi. Quand est-ce que Non. tu donnes des cours à Limoges, Laurent? Quand tu seras parisien. Ouais, très bonne réponse de JB. Effectivement. Là là, quand même. Bon, je joue un peu mieux là, mais bon, c'est pas complètement satisfaisant. Allez, je vais te. Tu me fais E4, c'est ça, D4, cavalier F3? Non. C'est 4? KF3? C'est pas ton style, Augustin. J'ai joué à un petit système. Bon, On si peut tu me est-ce que fais. tu es G6? Ouais, si, est indienne, hein. Ok, d'accord, on va faire une estonienne. J'adore, c'est mon amour de jeunesse. Toujours un regard particulier envers cette est indienne que j'adorais, mais bon, c'est dur hein, quand même. Faut avouer que c'est dur. G6. Ouais. Mais ce qui est génial, ouais, c'est ce qu'a dit Aronian dans cette est indienne, c'est que t'as beau être complètement foutu, t'as toujours une dernière arnaque. Et ça, c'était très très bien vu. Cavalier A6, t'as jamais vu ça, cavalier A6? Si, mais je sais pas quoi jouer contre. Ah. Ouais, c'est pas idiot comme ligne, hein, clairement. On rappelle, hein, demain soir, 20h30, il y a le numéro 1 français, Maxime Achillagraf, qui fait un banteur. 20h30, 22h, je fais un mince cerveau avec notre ami Clément, joueur de poker pro, Clément Richez. Samedi, je serai avec Pauline Guichard pour jouer contre nos amis espagnols. Et dimanche, match des communautés. Cette fois, c'est vous qui jouez. Ok, fou H4. Et je vais me reconcentrer sur notre ami Augustin, qui le mérite, qui fait un très beau match. Allez, hop. Maintenant que j'ai 5,5, je te fais des compliments. Hein. Avant, il n'y avait pas de cas où. Ça, c'est assez mal joué, par contre. Parce que tu me donnes les cases noires, du coup. En fait, j'espérais que le terrain, enfin, je croyais que le terrain ne défendait pas C7, mais bon. C'est mal joué. Cavalier A6, non mais j'ai vraiment joué longtemps Cavalier A6 en fait de temps en temps. Pas avec des mauvais résultats d'ailleurs. Match des commus, ça se passe comment? Je sais pas, Merchant. Je pense que la veille, on va recruter. Venez la veille dans le show avec Pauline, on va recruter. À ce moment-là, mais on va mettre un message sur les réseaux sociaux aussi. On va faire par tranchée l'eau. Alors, comment on fait avec cette paire de fous là? Cette magnifique paire de fous. On va en faire quoi? On va en faire ça. Déjà. Non, tu prends. Bien sûr. Voilà. Je peux même pas doubler. Doublé où? En sur la colonne D. On a banane verte. Non, on sait pas. Peut-être toi, Heisenberg. Tu veux jouer à Heisenberg? Ça serait un tel honneur de t'avoir au premier. Limoges. Ouais, cavalier A4, bien joué. En poste, il est assez simple. Pardon? En poste, il est assez simple. Non, c'était mal joué ce que j'ai fait, ok. x5 était mal joué à cause de cavalier A4. Ouais. Je fais de la pub, je fais de la pub. J'en oublie, mais bon, je suis tellement bien dans cette position. Ah mais je me moque de toi, Heisenberg. Hein. Tu ne le prends pas comme un compliment. Hein. Je me moque de toi tout le temps. C'est-à-dire que ne prends jamais comme un compliment, Heisenberg. C'est vraiment si je me moque de toi 100% des fois. Alors on va prendre et on va installer ça ici. Et voilà, et c'est la différence hein, entre ta structure et la mienne, c'est que j'ai la case D4. Oula, ok, c'est 3. Ouf. Aïe, Je te le fais pas dire. voilà, allons voir cette finale.
Ouais, pas très marrante à jouer, ouais, je te accordais. Est-ce que j'ai changé les tours en fait? Ouais. Oui. Qu'est-ce que je fais encore? Si j'avais pas gagné celle-là, ça sera quand même assez beau encore une fois. Oh Ah ouais, heureusement que j'ai H5 quand même, faut pas exagérer. Ah ça va en fait, ouais. J'aurais qu'à aider cette. Ok. J'ai compris le truc. Oh, ta dame qui est là, Robinho 98, incroyable. T'as fini, c'est vrai, Robinho 98 a fini deuxième derrière moi aux petites canailles, dans le premier tournoi. Des petites canailles. Incroyable. Ok, je vais mettre ça ici. Un petit rond en C5. Et on va bien s'entendre, mon cher. Normalement, on va bien s'entendre. C'est pas sûr, sûr. Tu veux me faire H4, c'est ça? Elle est vraiment affreuse cette finale, j'adore. Ah, dommage que t'aies pas joué G4, j'espérais vraiment. Non, j'ai un soupçon là, c'est ça. Je ramène un copain. Ah, j'ai des six, sérieux. Eh oui. Qu'est-ce que c'est moche? Bon, attends, j'ai envie de voir ton coup quand même. Là, je prends du plaisir. Là, je prends mon pied, hein. Tu sais que tu peux pas me faire plus plaisir que ça. J'ai pas calculé une variante de la partie. J'adore. Allez, Bah, c'est la dernière, hein. ah. C'est la dernière déjà, 6,5, 2,5. Donc, bon. On va voir. Ah. Allez, au 4, tiens, j'ai pas essayé. Waouh. Nage d'orf? Ouais, j'aurais cru que je fous le sein. Ah non. Tu connais ça? Ouais, j'ai déjà vu une Charsine qui a joué, je crois. Pour m'empêcher de fou B4. Banane J'ai vert pas dans le prochain. Adopte un corpo, mais il est trop fort, non, banane, pour se faire adopter. Remarque? Non. Ouais. Faut que je sois en forme. Banane avec un incrément, c'est vrai que c'est jouable, hein. Effectivement. T'as pas tort, Limoges. T'es déjà allé à Limoges ou pas? Ah, non. T'as envie? On va tous Sais pas où. aller à Limoges pour jouer un Je sais même tournoi. pas où c'est. Personne ne sait où c'est. T'inquiète pas, c'est normal. Ah, banane, eh oui, surtout en 3-0. Non, en 3-0, non. On jouera pas en 3-0. On jouera avec un incrément. Contre banane. Sinon, j'ai. Oui, évidemment que je vais pas l'adopter. Banane, il est hyper fort. Avec la souris. Alors, fou 6, ok. Bon, concentrons-nous. On va quand même faire rock pour voir. Ok, des 7, ok.
Bon, allez. C'est la dernière. Vamos, hein. Ah, d'accord, on prend le Non? risque. Ah bah oui, allez, ça y est, plus d'échange de dames, là, je te mate. Ça y est. Ok, C'est prenne ça. décidé, nouvelle vie. Enfin, nouvelle vie pendant une partie. G6. Bam, puis on prend E5. Tu l'as pas vu, ça, hein? Ça va, ça va. On va pas s'enflammer non plus. Ah, quand même, c'est fort. Quoi? C'est fort. Tu me provoques? Je... Tu me provoques? Non, mais je dis quand même que c'est fort, quand même, coucou. Tac, 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 tac. Non. Qu'est-ce que tu vas jouer sur pion pour le 5? Je prends le carré. Et je reprends? Je... Bah, j'ai pas le choix, je dois prendre un D5. Ouais, bon, Sur j'aime fou pas. prend, J'aime pas du sais coup. pas quoi faire. C'est ça. Alors, ce serait pas confiant. Bah ça marche pas. Puis on prend, puis on prend, puis on prend. Faut prendre des 5, faut prendre des 5. Cavalier prend des 5. Tour 1. Dame prend des 5. Ah, mais en fait, tu calcules pas, en fait, tu bluffes. Non, il y a Dame prend les 4, tu vois, qui les prend 5. Fou G7. Tour 1. Petit roque. Ok, peut-être. Je sais pas. On peut continuer à calculer. Alors ça, ok, ça c'est F5. Ça c'est F5 tempo. Ouf. Ouf. Ça, dans ma jeunesse, j'en ai maté plus d'un comme ça. Je te le dis. Là, t'as du bol, hein. Que je joue roi H1 sans réfléchir. Mais tu me donnes ces pions à chaque fois. Tu les calcules les trucs ou pas? Je veux Les dire, pions, c'est pas grave. B7 c'est quoi? B7, j'ai B2 après. Tiens, tiens, B2, tiens, voilà, tu vois, B2, ok, Non. c'est noté pour B2, vas-y. Ouais, Oh, c'est vrai cette que... manie de donner les pions, d'être large comme ça, c'est très énervant. Te l'encaisse le pion, tiens, tu mérites. On va faire ça. J'adore. Ah, mais j'ai une menace là. J'adore. J'adore ton style. Je devine aucun coup. Mais j'adore. Blitz. J'ai pensé que tu bluffais. On dirait qu'il allait chasser le requin avec un cure-dent. Alors, ça. C'est du jeu en fait, hein. Mine de rien. Mine de rien, t'as un peu de jeu. Alors effectivement, ça casse pas trois pattes à un canard. On me dirait notre ami Jules. Mais t'as un peu de jeu, quoi. Ça gigote. Bon. Bon quoi? Sais pas, j'ai envie de Vas-y. faire un truc, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Vas-y. Vas-y. Sûr. Bah oui, t'es sur YouTube et tout. Après. C'est ça. Faut voir ce que tu peux gagner. T'es la star de YouTube après. Star. Si, 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 si. Si, si. Bah, ouais, pourquoi je t'encourage à faire des bons coups, moi? Contre-productif. Bah oui, non mais qu'est-ce que j'ai. Pourquoi tu. Ah, je crois que c'était idiot. Non mais là, tu me fais une blague là? Ouais, j'ai du jeu. Mais t'as plus que du jeu. Non, je pouvais prendre. Ouais. Hop, et... Non, pas Ah non. Ah non, tout ce que tu veux, mais pas de hop, s'il te plaît. Hein. Surtout pas ça. Tout,
Fais pas ça, c'est très très agaçant. Waouh! Waouh! Bien joué. Esthétique. Ok, à toi. Ah, j'en Bravo. ai au moins une avec une noire. Super. Dame prend H3, j'ai pas vu. On va remontrer au ralenti. Je vais montrer à nos amis viewers. Toi, tu ne vois pas, mais ouais, j'ai 4, dame prend H3. Et l'idée, c'est sur dame prend. Je me prends tour prend, roi bouge. Tour 1 et dame ensuite. Et j'ai pas vu du tout ce truc de tour 1 et dame. Il est dangereux ce jeune, ouais. Ouais, dans les positions complexes, je m'en suis très très mal tiré. Alors évidemment, quand c'est j'ai gagné mes parties techniquement en général, mais les positions, il y avait un peu partout. Tu t'en es très bien tiré, hein. Ouais, Paf, avec quelques j'ai joué victoires. risqué, je trouve. Quoi? J'ai pris beaucoup de risques, hein. Avec les blancs surtout. Ouais, Avec les noirs, ça a été plus dur, j'ai l'impression. Parce que t'en penses. mais de toute façon, D4, c'est pas mon fort. Ouais. D'accord. Mais écoute, donc t'as le. En tout cas, bravo, beau match, ouais. Ouais, beau match. Tout le monde dit. Voilà. Les gens ont pu te découvrir. Ah, j'ai fait plus que Pierre, Bah Pierre, apparemment. j'ai mis gagné 9-1 contre Pierre. Ah. Ou 8,5, 9-1, je crois, j'ai fait. J'ai fait 9-1 contre Pierre. Mais oui, enfin, puis ça est bien sorti, Pierre. Hein. Non mais Pierre, il y a un ascendant. Il y a un truc. Tu vois, Pierre, je le connais trop bien. Il sait que je le connais, enfin bon, il peut pas s'en sortir. Pierre. Puis ça dépend des jours, hein, c'est une question de forme aussi le Blitz. Hein. Donc, dans la pause finale, tour C1, pas tour 1, pourquoi? Dark Knight. Pourquoi pas Roi F2, tour E1? Tour 1, pas bon? Pourquoi Heisenberg? Qu'est-ce qu'il raconte? Bien. Non, ils disent Dame C3, Dame. Qu'est-ce que vous Ouais, racontez dame là? H3, je crois. Non, Dame prend H3, Dame prend, tour prend, Roi F2, ok, tour C1 est le plus sûr, je suis d'accord. Mais tour 1, Dame C3, il y a Dame, non? Ah, Dame prend tour. Ah, je vois rien. Mais cavalier, Ah. tiens. Ouais. Cavalier. Pas, faut que j'enlève la sous-promotion. Cavalier, cavalier prend. Ouais, mais tour C1, ok. Tour C1, oui, bien sûr. Tour C1 gagne. Ouais, non, c'est très belle combine de la part d'Augustin. Revanche dans quelques jours, peut-être. Alors, je sais pas. Alors, tu vas jouer contre Peyo. Bientôt, c'est ça, la finale? Je sais pas, on m'a juste dit que je jouais pas pour Peyo. En fait, au début, on m'a dit que Merencio voulait pas jouer, donc je jouais contre Peyo. Et après, on m'a dit que j'étais directement qualifié contre toi. Donc, Non mais Peyo c'est la finale d'après apparemment. Ah, C'est la j'étais pas au finale de courant. soir. Oui mais t'es en contact avec Mbappé, avec Cyril. Oui. Oui mais lui il est au courant de rien lui. Tu sais pas? Il raconte n'importe quoi, il invente. Tu savais pas? Si si c'est connu hein. Si si hein. Donc en finale tu joues contre Peyo.
qui est maître international, donc ça va être un beau match. Et ensuite, tu choisiras si tu regagnes. Et ma foi, vu le match de ce soir, je pense que tu as vraiment toutes tes chances. Si tu regagnes, tu rechoisis de contre qui tu veux jouer. Tu voudras jouer contre qui? Encore contre moi? Je joue JB un peu là. On va Non, pas voir. JB. Pas JB? Peut-être Jules. Ah, Jules. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Bah, écoute, merci pour ce match. C'était intéressant. Heureusement que c'était Unrated, hein. Ça m'a coûté cher, hein, cette histoire. Et puis, à bientôt. Oui, merci, hein, aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao, à demain, 20h30 avec Maxime Vaché-Lagrave. Ciao tout le monde. Ah, j'ai bien regardé juste pour vous.